Salut les sorciers, salut Marine, salut Lorraine. Bonjour Jean. Bienvenue dans Science en question. Aujourd'hui, on s'intéresse à nos forêts. Cette ressource précieuse est de plus en plus menacée par le changement climatique. Entre l'augmentation des températures, la multiplication des épisodes de forte sécheresse et la prolifération des insectes ravageurs, nos forêts ont du mal à garder la forme. Alors comment suivre l'état de santé de nos forêts? Comment mieux protéger nos arbres? Et comment gérer et exploiter les forêts plus durablement? Quand la science est au chevet des forêts, ça commence maintenant. Vous avez probablement déjà vu ces images sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Elles montrent deux photos satellites de la France. Celle de gauche a été prise à la fin du mois de juillet 2021. Celle de droite a été prise à la même période, mais en 2022. Cette comparaison impressionnante illustre bien l'intensité et l'ampleur de l'épisode de sécheresse que la France a connu. Elle montre aussi les conséquences directes du manque d'eau sur la végétation et bien sûr sur nos forêts. Cette situation est préoccupante car elle fragilise les forêts et malheureusement, la pression du réchauffement climatique n'est pas prête de s'arrêter et les épisodes de sécheresse sont amenés à se reproduire. Alors pour mieux les gérer et suivre leur état de santé de près, il est important de disposer de statistiques sur nos forêts. C'est une des missions de l'IGN, l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'un de ses représentants, François Morneau, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Merci. Vous êtes chargé de mission, conseiller technique de l'inventaire forestier. Et alors même si on sait tous déjà ce qu'est une forêt, j'imagine qu'il existe quand même une définition scientifique, ou en tout cas une définition sur laquelle tout le monde s'est mis d'accord, sur la forêt. Alors, première question, qu'est-ce qu'une forêt? Qu'est-ce qu'une forêt? C'est une question difficile. En tout cas, ce que je peux vous répondre, c'est comment nous, à l'inventaire forestier national, on la définit. Et on la définit comme un espace avec un couvert boisé d'au moins 10%. Donc, ce n'est pas beaucoup. Il faut que les arbres couvrent au moins 10%. Et on va définir que c'est une forêt si ces arbres sont capables au moins d'atteindre 5 mètres de hauteur. Sinon, ça va être une lande. Ce qu'il faut aussi, c'est qu'elle ait une surface minimum. Et cette surface minimum, c'est de 50 ares, 5000 mètres carrés. Très bien. Bon, ben au moins comme ça. C'est et il nous manque encore un critère. Il manque un critère. Il manque encore un critère. C'est un critère de largeur. Il faut qu'elle fasse au moins plus de 20 mètres de large. Sinon, c'est autre chose. Très bien. Bon, ben comme ça, on peut vérifier si on a une forêt dans notre jardin. Mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tout le monde. Alors, les forêts françaises occupent un tiers du territoire actuellement en France. Mais comment elles évoluent? Alors, elles évoluent avec une progression extrêmement marquée depuis 150 ans. Donc, évidemment, les forêts sont constituées d'arbres, ce sont des individus vivants, ils se développent. Et depuis, effectivement, une centaine d'années qu'on les mesure, et même plus que ça, on a vu la forêt recoloniser les espaces qu'elle avait perdus avant. On voit une image là avec deux cartes de la France entre 1908 et 2020. On peut du coup se rendre compte comme ça de l'évolution? Exactement. C'est localisé davantage dans le sud-est? Alors, on a effectivement plusieurs phénomènes que ces deux cartes nous montrent. La carte de 1908, elle a été faite grâce à une enquête qui s'appelait la statistique d'Aubray. Puis la carte 2020, elle est issue évidemment des résultats de l'inventaire. Et on voit département par département, sans l'Alsace-Moselle évidemment, parce qu'en 1908, ouais, avant la guerre, ça n'en faisait pas partie. On voit quel est le taux de boisement par département et on voit que ça a énormément évolué et que la forêt a progressé partout. Et alors pourquoi elle augmente? Est-ce que c'est un signe de bonne santé? Alors c'est un signe de bonne santé, mais c'est surtout un signe de l'histoire. C'est l'effet notamment de l'abandon des terres agricoles les plus pauvres au profit d'une mécanisation des meilleures terres. Et ces terres abandonnées ont été recolonisées par la forêt. Il y a eu aussi des volontés de programmes de boisement. Et puis l'autre chose qui a fait baisser la pression sur les forêts, c'est que au milieu du 19e siècle, on est passé d'une énergie qui était le bois à d'autres énergies, fossiles, le charbon et le pétrole. Donc évidemment, le bois n'est pas une énergie fossile, mais on l'a remplacé et ça a mis moins de pression sur ces forêts. Alors, vous avez évoqué, déjà dessiné un des rôles de la forêt, mais elle a plusieurs rôles, cette forêt. On en distingue trois principaux. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Alors, la forêt a effectivement, en général, trois rôles, on les distingue. Elle a un rôle écologique, elle abrite une importante diversité. C'est une source très importante pour les trames et pour les animaux. Elle a un rôle économique, elle est productrice d'un matériau, notamment le bois,
qui est extrêmement important. Et puis elle a un rôle social. Tout le monde a besoin souvent d'une forêt pour aller se balader, faire un tour. Et donc on a besoin de ces espaces boisés, proches de la nature, dans lesquels se ressourcer. Très bien. Alors comme d'habitude dans cette émission, nous avons voulu tester les connaissances du public. Et cette émission n'échappe pas à la règle. On est donc allé dans la rue, équipé de notre mot mystère, qui est cette fois-ci forêt domaniale. Voici les réponses des gens. C'est une forêt où il y a un grand domaine, je pense. Domaniale, ça fait partie des domaines, je pense. C'est des propriétaires qui ont des forêts, c'est ça? Une forêt domaniale, non, je suis pas sûr. C'est peut-être une forêt qui appartient à un particulier. C'est des forêts qui sont gérées par les domaines, donc par l'administration française. Alors, je sais pas la proportion, mais je dirais que c'est une majorité des forêts publiques. Et je sais pas, si je devais deviner, 60%, quelque chose comme ça. Je crois que c'est assez important les forêts publiques, peut-être 50-50, non, je dirais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de forêts privées que de forêts publiques. Je crois que les vraies forêts, elles diminuent. Qu'on augmente beaucoup les forêts plantées avec des arbres tout neufs, mais qu'en fait, ça n'a pas grand intérêt pour beaucoup de choses. Et que les vraies forêts, elles diminuent beaucoup. C'est un département par tous les 10 ans. Alors, il y a quelques bonnes réponses, mais encore un peu de confusion. Alors, à qui appartiennent les forêts françaises ? Alors, les forêts françaises, effectivement, elles ont plusieurs propriétaires. On distingue en gros les forêts privées. Et les forêts privées, c'est 75% des forêts. Donc, effectivement, c'est largement dominant. Ouais. Et le quart restant, c'est les forêts domaniales. C'était l'objet de votre question. Les forêts domaniales sont les forêts de l'État. Et puis, toutes les forêts des collectivités, en particulier les forêts communales qui en représentent la majeure partie. Alors, quelqu'un parlait aussi de bonnes et de mauvaises forêts. Il n'y a pas vraiment de bonnes et de mauvaises forêts, non? Il n'y a pas de bonnes et mauvaises forêts. Il y a des forêts de différents types, avec des essences, plantées ou non, régénérées de manière différente, avec des modes, on parle de sylviculture, la façon de conduire les peuplements, qui peuvent être différents. Et c'est souvent lié à l'histoire de ces forêts-là. Une des missions de l'IGN, c'est de réaliser l'inventaire forestier. Expliquez-nous un peu l'objectif de cet inventaire. Alors l'inventaire forestier national, son but, c'est justement de décrire nos forêts au quotidien et de nous donner des informations sur ce qu'elles contiennent, leur croissance, la mortalité des arbres, énormément de paramètres pour savoir si elles sont en bonne santé, si elles progressent, si elles diminuent, quelle est la quantité de bois qui est récoltée, quelles sont les espèces qu'elles abritent, la flore, et puis on prend énormément d'informations. Vous réalisez un inventaire tous les combien de temps à peu près ? Alors l'inventaire, il est maintenant organisé selon un rythme annuel. C'est-à-dire qu'on a une sorte de photographie chaque année grâce à cette enquête. Et cette enquête, elle a par contre un recul temporel de 60 ans. Donc maintenant, on a 60 ans de données accumulées grâce à l'inventaire forestier qui nous permettent de voir non seulement ce qui se passe maintenant, mais de le replacer dans un contexte historique. Très bien. Vous parlez d'enquête, mais très concrètement, vous utilisez deux méthodes principales pour faire votre inventaire. Il y a d'abord la photo-interprétation. Alors, comment ça se passe ? Alors effectivement, si on reprend la base, c'est une enquête parce que c'est de la statistique. C'est un peu comme on est un peu l'INSEE de la forêt. On est l'INSEE des arbres et de la forêt. Et donc on a ce qu'on appelle, nous, la première phase statistique. Et la première phase, c'est d'avoir énormément de points qui sont disposés chaque année sur l'ensemble du territoire et qui vont être simplement observés par photo-interprétation, c'est ça l'objet. Donc à partir d'orthophotographies produites à l'IGN, donc des images prises par avion, exactement. Des images prises par des orthophoto, ça veut dire qu'elles sont remises à plat comme une carte. Très bien. Pour coller avec le contour de la carte. Et on va demander à des photo-interprètes au bureau, sur ordinateur, d'aller qualifier ce qu'ils voient sur chacun de ces points. C'est à peu près 55 000 nouveaux points chaque année. C'est un travail titanesque alors? C'est pas un travail si titanesque parce que ça va plus ou moins vite et on s'appuie sur des technologies comme l'intelligence artificielle pour préclasser ces points-là. Et est-ce que vous utilisez aussi des images satellites? Alors pour le coup, non. Pour cette phase-là, il n'y a pas de comparaison possible entre la qualité d'une image prise par un avion qui est très bien résolue et une photo satellite qui est en général avec une bien moins bonne résolution. Donc on voit beaucoup mieux les choses et on utilise des photos aériennes un peu particulières. On utilise le canal infrarouge, ce qui fait mieux ressortir les limites des végétaux et en particulier des forêts. Et en parallèle, vous envoyez aussi du monde sur le terrain ? Alors effectivement, cette première phase, c'est 55 000 points, ça ferait beaucoup trop pour envoyer des équipes chaque année sur le terrain.
tant que statisticien, j'en serais ravi. Mais on n'a pas les moyens, évidemment. Donc on a ce qu'on appelle la deuxième phase. Et cette deuxième phase statistique, elle comporte évidemment tout un ensemble de points terrain où on va envoyer nos équipes pour vraiment aller mesurer nos forêts, mesurer les arbres, regarder la flore, le sol et autres. Et ça, c'est à peu près 7000 points chaque année. 7000 points nouveaux chaque année. Alors, évidemment, une grosse partie du travail, c'est d'interpréter ces données. Et ça, François, c'est votre job. Et vous allez nous raconter ce que vous apprenez sur ces forêts à partir de ces données. C'est notre séquence Science en Action. Lorraine, tu vas nous faire le bilan de santé complet des forêts. Ouais, on va essayer en tout cas. Votre travail à vous, François, c'est de donner du sens à cet inventaire, de le faire parler. Et alors, l'inventaire nous dit que la forêt progresse depuis plusieurs années, mais elle n'est pas en si bonne santé que ça. On a un ralentissement de cette croissance, c'est ça? Alors effectivement, on observe énormément de paramètres. Hein, grâce à nos équipes sur le terrain, ils prennent au moins 200 informations par point d'inventaire. Donc vous imaginez la richesse. Après, on compile tout ça pour en sortir des statistiques, pour avoir des quantités. Et on observe à la fois effectivement la surface forestière qui s'étend, le stock de bois, c'est-à-dire le volume de bois qui continue à augmenter considérablement. On a gagné 50% en 35 ans, c'est absolument gigantesque. Mais en même temps, on regarde aussi d'autres choses, on regarde précisément la croissance des arbres, on regarde aussi la mortalité et on regarde aussi ce qui est récolté. Et c'est notamment en regardant la croissance et la mortalité qu'on s'aperçoit que dans les dernières années, les arbres poussent moins vite et qu'il y a plus de mortalité en forêt. Donc c'est là où effectivement les phénomènes ont tendance à se ralentir par rapport à ce qu'on voyait jusque-là. Et la première cause de ce ralentissement, c'est quoi? Alors a priori, c'est typiquement les conséquences du changement climatique, plus précisément les successions d'épisodes de sécheresse qu'on a eu ces dernières années, qui expliquent que les arbres poussent moins et que certains ne supportent pas et meurent. Et concrètement, comment un arbre meurt de sécheresse? Alors l'arbre, il peut mourir de sécheresse par au moins deux phénomènes. Simplement, quand il n'y a plus d'eau dans le sol, il n'a plus la capacité d'en absorber. Et puis, il peut y avoir des problèmes d'évaporation trop forte au niveau des feuilles et de chaleur trop intense au niveau de la canopée et du haut-pied. Alors tout ça peut provoquer par exemple ce qu'on appelle de la cavitation, c'est-à-dire de la rupture de la colonne d'eau entre les racines et l'extrémité des feuilles. Donc, c'est-à-dire que là où passe la sève, en fait, il y a des bulles d'air. Il y a des bulles d'air qui se créent et la sève ne peut plus circuler. Et donc, nutriments qui se distribuent dans l'arbre. Voilà, alors selon l'ampleur des phénomènes, ça peut conduire jusqu'à la mort de l'individu. Et c'est à cause de la sécheresse aussi qu'on a des incendies d'une telle ampleur, ce qu'on a pu avoir à l'été 2022. Alors ça, c'est un autre phénomène, effectivement. Les sécheresses, elles ont plein d'impact. Elles vont effectivement assécher la végétation qui sera d'autant plus facile à enflammer et à prendre, et d'où notamment des incendies qui se multiplient. Alors on les a vus effectivement de manière impressionnante dans les Landes, mais on voit aussi que ces phénomènes-là se généralisent plus au nord et qu'il y a de plus en plus d'incendies. Pas de ceux de l'ampleur, notamment des Landes, mais un peu partout en France. Oui, des incendies en Bretagne. En Bretagne, notamment. C'est très surprenant. Mais on est d'accord qu'un incendie ne se démarre pas spontanément tout seul. Il faut y mettre l'étincelle. Ah oui, pour le coup, oui. Alors, je n'ai pas en tête les chiffres précis, mais effectivement, je pense que c'est plus de 9 incendies sur 10, au moins, voire plus, qui sont d'origine humaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a bien un acte qui génère cet incendie. Mais l'ampleur dépend de l'état de santé de la forêt. C'est d'autant plus facile de démarrer ce type d'incendie que la végétation est particulièrement sèche et déshydratée. D'accord. La sécheresse rend aussi les arbres plus sensibles aux insectes ravageurs. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui ravage nos forêts? Effectivement, en tout cas, on a eu des épisodes récemment avec un insecte qui a fait un petit peu les gros titres, qui s'appelle le scolyte. Ouais. Et le scolyte, c'est la petite bête qu'on voit là. Il n'est pas très joli. C'est une petite bête, mais elle fait des gros dégâts. Elle fait des gros dégâts. C'est un insecte sous-cortical, c'est-à-dire qui vient sous l'écorce et vient manger les tissus conducteurs de l'arbre. Et cet insecte-là, normalement, c'est ce qu'on appelle un ravageur secondaire, c'est-à-dire qui s'attaque à des arbres qui sont déjà affaiblis. Mais à partir du moment où il y en a trop, il y a un phénomène d'explosion de la population et ces populations d'insectes sont alors capables d'aller attaquer des arbres sains. Et ça donne des dépérissements massifs dus aux scolytes. Ces scolytes attaquent particulièrement, on l'a vu dans les plaines de l'Est, les épicéas et les sapins. D'accord. Est-ce que par rapport aux incendies, on sait si c'est plus ou moins d'arbres qui périssent à cause des scolytes ou des bioagresseurs, des parasites, que les incendies?
A priori, comme ça, j'aurais tendance à dire qu'il y a beaucoup plus de mortalité avec les bioagresseurs. Les incendies de l'année dernière sont un peu exceptionnels. C'était une année à part. Après, en lissant, l'ampleur des incendies en moyenne n'est pas si importante. Par contre, des dépérissements liés aux scolytes ou des surmortalités, ça reste des phénomènes importants. Il y en a eu en 2009 dans les Landes après les tempêtes et il y en a eu là récemment. Et ce sont des épisodes qui continuent avec des pullulations qui continuent sur les épicéas. Juste pour se rendre compte, à l'été 2022, les incendies, c'est quelle part de la forêt qui a disparu ? J'ai un doute, mais on doit être à 70-80 000 hectares en France, à peu près. Et alors déjà, le premier point, c'est que cette surface, c'est pas une surface qui disparaît de la forêt, c'est les arbres qui ont brûlé. Potentiellement, une bonne partie de ces surfaces-là, il va y avoir à nouveau des arbres, donc ça sera à nouveau des forêts. Donc c'est pas une surface forestière qui disparaît. Et l'équivalent de cette surface-là, c'est à peu près l'augmentation moyenne qu'on a chaque année en forêt en France. On gagne à peu près 80 000 hectares de forêt chaque année, et depuis une bonne trentaine d'années, et avant le rythme était plutôt à 50 000 hectares chaque année. Donc c'est un rythme gigantesque. Okay. Est-ce qu'il y a des disparités de mortalité selon les régions ou selon les types de forêts ? Alors oui, évidemment. La forêt française... On a effectivement cette carte de mortalité qui le montre. Alors il y a un peu de la mortalité partout, mais en fait derrière cette mortalité qui est plus ou moins forte sur les zones, on a des phénomènes qui sont très différents et qui sont liés au fait que notre pays est très divers. Mmh. Il y a des peuplements et des essences qui ne sont pas répartis au hasard. On n'a pas les mêmes essences en montagne, en plaine, au sud, à l'est, au nord, etc. En fonction des climats. Et derrière cette carte de mortalité se cachent des dépérissements, évidemment de notre épicéa lié aux scolytes, mais la première essence qui dépérit en France et pour laquelle on observe de la mortalité, c'est le châtaignier. D'accord. Alors, elle est peu connue, mais c'est plutôt lié, d'après le département santé des forêts qui étudie ces phénomènes-là en détail, à des abandons de gestion de peuplement, et dans ces peuplements-là se développent des ravageurs, des pathogènes qui provoquent la mort des arbres. Est-ce qu'il faut s'attendre à le voir complètement disparaître de notre territoire ? Le châtaignier, pour l'instant, non. Il y a encore un stock important. Mais pour vous donner un ordre d'idée, en termes de volume, c'est 5% du volume de bois vivant sur pied, le châtaignier. Mais par contre, c'est plus de 20% du bois mort. Okay. Et si on s'éloigne un petit peu de la métropole, est-ce qu'on fait un inventaire forestier, par exemple, dans les territoires d'outre-mer ? Alors, pour le coup, au sens où on l'entend avec nos deux phases, vraiment un inventaire statistique, non, pour le moment, ce n'est pas le cas. Or, les dom-toms représentent en surface un tiers de nos forêts. Il y a à peu près un peu plus de 8 millions d'hectares de forêts, évidemment, dont 8 millions d'hectares d'un seul tenant en Guyane française et puis un peu plus dans tous les autres dom-toms. Et avec une grande diversité en plus. Avec une énorme diversité et aussi un stock qu'on imagine beaucoup plus important. Autrement dit, on peut imaginer que même si ces dom-toms n'ont que la moitié en surface, le volume de bois est à peu près équivalent à celui qu'on a en métropole avec 17 millions d'hectares. Donc d'accord. Ça peut être gigantesque. C'est très important. Pour le coup, par contre, on n'a pas d'équipe et de protocole pour aller mesurer ces points parce que c'est beaucoup plus compliqué d'aller faire des placettes de mesure et d'envoyer des équipes sur le terrain quand on est en Guyane, par exemple. Une fois que vous avez... au regard des informations apportées par l'inventaire forestier, est-ce que vous adaptez vos consignes pour l'inventaire de l'année d'après, notamment les paramètres que vous allez analyser sur le terrain ? Alors oui, en partie. Alors il y a des choses qui sont des points de réglage d'une année à l'autre en fonction de ce qu'on a pu voir. Et puis surtout, l'inventaire, on a l'avantage d'envoyer des équipes sur 5000 points par an. Et ce qui est à un coût marginal, c'est de rajouter une nouvelle mesure parce qu'on a déjà des équipes qui font le déplacement. Et c'est ce qu'on fait. On est en train de rajouter un nouveau protocole pour suivre précisément la régénération, les jeunes tiges qu'on mesurait peu, pour savoir ce qui se passe justement à ces jeunes stades. On va aussi mesurer l'impact des grands ongulés sur ces stades-là. Les ongulés. Les ongulés, donc ça va être tous les sangliers, le cerf, le chevreuil, etc. qui, par leur abrutissement, peuvent avoir un effet sur la régénération des forêts. Et puis on intègre aussi, avec le département santé des forêts, dont la mission effectivement est cette surveillance de nos forêts, de nouvelles variables pour décrire le pied de nos arbres. Donc on va mesurer par exemple à quel point le houppier s'éclaircit. En gros, les arbres peuvent dépérir, mais ils peuvent déjà montrer des signes de souffrance liés à la sécheresse, simplement en perdant des feuilles, en perdant des branches. Ils ne meurent pas, mais par contre, ils se déplument. Oui, si on prenait une image. Il faut avoir un œil affûté, en fait, quand on fait de l'inventaire forestier. À
Pour le coup, oui, exactement. Les équipes de l'inventaire sont des gens qui sont des spécialistes, des techniciens forestiers qui savent décrire un sol, faire des mesures, prendre l'ensemble de la flore. Donc, ils ont des connaissances en botanique poussées. Et puis, il y a énormément de paramètres à prendre avec des protocoles très précis parce que tout l'intérêt, c'est que ce soit répétable et tout à fait comparable partout sur le territoire et d'une année à l'autre. Alors, l'avenir de l'inventaire forestier, c'est peut-être le LIDAR. C'est une technique qui est développée par l'IGN. C'est la télédétection par laser. En gros, ça permet de scanner le territoire français, si je peux dire. En quoi ça peut vous aider dans l'inventaire forestier? Quelles informations ça vous apporte en plus? Alors d'abord, ce programme LIDAR, c'est un programme gigantesque. L'idée, c'est de couvrir à peu près en 5 ans, on finira en 2025, la couverture complète avec cette fameuse technologie LIDAR de tout le territoire. Tout le territoire, donc les forêts et en dehors. Et ça va apporter énormément d'informations. Le programme LIDAR, il est aussi avec des technologies qui vont nous permettre d'avoir 10 points par mètre carré à peu près en moyenne sur l'ensemble du territoire. Donc des jeux de données gigantesques. Et ça nous permet d'avoir des informations à la fois sur le sol et sur ce qu'il y a au-dessus, le sursol, donc en nous, en l'occurrence pour nous, les arbres. Et cette information-là, notamment la hauteur, la différence entre le sol et la hauteur, ça nous donne une estimation de la hauteur des arbres, mais pas que sur les points où on envoie nos équipes, sur tout le territoire. Et on peut combiner ces informations pour améliorer nos estimateurs, être beaucoup plus précis dans nos résultats. On va parler des outils et des méthodes pour garantir la bonne santé des forêts. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne sur leur rôle en tant que puits de carbone. Et comme on est un petit peu joueur dans cette émission, on a demandé aux gens de nous expliquer ce que ça voulait dire. Écoutez-les. Non, je ne sais pas du tout. Bah, quelque chose qui est nocif. Puits de carbone, oui, par rapport à l'oxygène. Parce que, en fait, les forêts, ils produisent du carbone. De l'oxyde de carbone. Je sais que les arbres, en fait, consomment du CO2. Donc plus on en aura, mieux ce sera. Donc peut-être que plus de carbone, c'est une autre façon de dire que, en fait, grâce à ces forêts, on arrive à réduire l'impact carbone lié à l'industrie, sûrement, oui. Bah oui, puisqu'elle fixe le carbone de l'atmosphère dans leur feuillage. Même si le carbone est fixé par la photosynthèse et donc par les feuilles, donc c'est plutôt dans l'écorce, dans le tronc, qu'il y a le plus de carbone, oui. Dans le sol? Je sais pas, parce que les feuilles, elles tombent, ça crée de l'humus, et du coup, ça contient plein de choses, beaucoup plus que les feuilles, qui sont plus en lien, je sais pas. Comment faire un bon puits de carbone? J'imagine avoir beaucoup d'arbres, beaucoup de matière organique, et surtout pas trop l'exploiter, pas trop retirer du carbone, retirer du bois. Et bien dans ce cas, c'est intéressant à partir du moment où on fait grandir et qu'on recoupe et qu'on le retransforme pas en gaz. Donc si on le stocke dans les maisons, on stocke dans du mobilier, dans de l'infrastructure, là c'est intéressant. Si on se contente d'en faire du papier et ensuite de le cramer, c'est moins intéressant. Alors François, pour expliquer ce qu'est un puits de carbone, on a besoin de revenir peut-être à nos cours de collège, voire même de primaire, puisqu'il faut parler de la photosynthèse. Expliquez-nous quel est ce principe. Exactement. Ben, le principe, c'est comme tous les végétaux, et les arbres sont des végétaux, les arbres font de la photosynthèse et grâce à la lumière du soleil, ils vont être capables de fixer le CO2 atmosphérique et le transformer effectivement en molécules carbonées. Donc le tronc, l'ensemble du végétal est fait de carbone qui a été fixé par la plante grâce à la photosynthèse. On entendait certains dire « Ah, c'est dans le tronc, d'autres c'est plus dans les feuilles ». Non, c'est l'ensemble de la plante. C'est l'ensemble de la plante qui est fait en partie de carbone, et notamment beaucoup dans un arbre, et qui est stocké depuis l'atmosphère. Donc effectivement, ils absorbent, c'est pour ça qu'on parle de puits, ils absorbent depuis l'atmosphère le carbone. On s'est estimé quelle quantité ça représente par an de carbone Alors, a priori, le carbone qui est absorbé par les forêts, c'est à peu près un cinquième du carbone qu'on émet par ailleurs en France. D'accord. Donc, ça ne suffit pas à compenser, je crois qu'il y a un de vos intervenants qui le disait, à compenser les émissions, mais ça en prend déjà un cinquième, ce qui est quand même considérable. Oui. Mais ça n'arrive pas à compenser tout. Donc, si on veut être neutre en carbone, par exemple, on peut imaginer essayer d'augmenter la quantité de carbone absorbée par les forêts, mais on ne peut y arriver surtout qu'en diminuant la quantité de carbone émise, et c'est tout l'objet des politiques climat. Alors, on coupe des arbres pour exploiter du bois, c'est aussi à ça que servent nos forêts, mais il faut en avoir une gestion raisonnée pour justement préserver ce rôle-là de puits de carbone. Complètement. Alors pour le coup, l'histoire de nos forêts et leur croissance montre que la gestion est très raisonnée et très prudente puisqu'elles ont continué à croître, à s'étendre, le volume a augmenté. Donc ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on prélève beaucoup moins que ce que produisent les forêts.
Et après, toute la question par rapport au climat, c'est de savoir ce que l'on fait de ce matériau bois qui est riche et qui est très utile. Ils en parlaient un petit peu dans le micro-trottoir. Exactement. Il y a un des intervenants, une des personnes interrogées qui était très précise là-dessus. Il avait raison. En fonction de l'utilisation qu'on a de ce bois, on va relâcher plus ou moins vite le carbone qui est dans ces produits-là. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant, ce matériau bois. C'est-à-dire que quand on coupe des arbres, par ailleurs, la forêt continue à pousser et évidemment continue à capter du carbone, sauf si on a défriché, mais on n'est pas dans une situation en Amazonie. Et par ailleurs, ce matériau bois, on peut l'utiliser de manière durable pour la construction, par exemple, dans des maisons, dans des meubles. Ça va durer longtemps, on stocke du carbone et surtout, ce carbone, la plupart du temps, on risque que ce bois qu'on va utiliser dans la construction, on va l'utiliser à la place d'un autre matériau. Et si vous utilisez du bois à la place d'un matériau particulièrement émetteur comme le ciment le béton, vous avez un double effet bénéfique. Vous stockez du carbone et en plus, vous n'avez pas émis une quantité gigantesque de carbone dont vous auriez besoin pour fabriquer votre parpaing en béton et le ciment qui va avec. Merci François pour toutes ces précisions essentielles. Cela ne fait plus aucun doute, la forêt française vit un véritable bouleversement. Certaines essences d'arbres ne sont déjà plus adaptées au climat actuel. Et d'autres pourraient l'être avec l'évolution des températures et des sécheresses. En 2020, dans le cadre du plan France Relance, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a annoncé une enveloppe financière spécialement dédiée au renouvellement forestier. L'objectif, aider les propriétaires privés et publics à adapter leurs forêts au changement climatique pour mieux l'atténuer. Environ 50 millions d'arbres pourraient être plantés. Encore faut-il savoir quelles essences planter, où les planter et si elles seront toujours adaptées au climat en 2050. Pour répondre à toutes ces questions, nous allons recevoir une nouvelle invitée. Elle travaille à l'ONF, l'Office National des Forêts, et elle s'appuie sur les données de l'inventaire forestier. C'est notre séquence, l'esprit d'équipe. Bonjour Noémie Pousse. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en Question. On est ravis de vous recevoir et évidemment, quand on parle de forêt, on a envie d'avoir une représentante de l'ONF, l'Office National des Forêts. Vous êtes chargée de recherche et développement en sciences du sol, c'est exact? C'est exact. Et pour commencer, on voudrait que vous nous rappeliez quels sont les rôles de l'ONF. Donc l'Office National des Forêts assure la gestion durable des forêts publiques, donc les forêts des collectivités et de l'État, les fameuses forêts domaniales dont vous avez parlé tout à l'heure. Assurer la gestion durable des forêts, c'est subvenir aux besoins de la société, donc en bois notamment, cet écomatériau de premier ordre, mais aussi préserver l'environnement, accueillir le public, prévenir les risques naturels, toute cette gestion qui est multifonctionnelle et sur le long terme, donc durable. Très bien. Alors gérer une forêt, ça impose de réfléchir à son aménagement sur des dizaines, voire des centaines d'années, puisqu'on s'adapte au cycle de vie des arbres. Avec le changement climatique, est-ce qu'il y a des choses à revoir sur la façon de gérer ces forêts ? Bien sûr, déjà, il faut s'adapter aux crises, donc les dépérissements massifs que nous avons connus face aux crises scolytes, aux sécheresses répétées ces dernières années, aux incendies. Donc s'adapter aux crises, ça veut dire revoir les documents de gestion durable de manière urgente. Ouais. Parce que on a des milliers d'hectares qui sont donc ravagés par ces crises-là. Il faut savoir planter aussi des nouvelles essences, tester de nouvelles essences, choisir des essences plus résistantes, plus résilientes. Tout ça en ayant peu d'informations sur ce qui va réellement se passer. Donc ça veut dire arriver à s'adapter rapidement à des crises de plus en plus fréquentes. Ouais, c'est un sacré défi, hein. Donc faut avoir des moyens pour faire ça. Et justement, pour aider les forestiers à repeupler les forêts, vous avez mis au point à l'ONF un outil qu'on appelle Climessence. Comment il peut aider concrètement les forestiers justement dans cette tâche ? Donc cet outil a été mis en place par le réseau mixte et technologique AFORCE, l'adaptation des forêts au changement climatique, donc par l'ONF et d'autres organismes comme INRAE, CNPF-IDF. Donc là, c'est vraiment forêt privée, forêt publique, les instituts de recherche. On a travaillé tous ensemble pour créer cet outil qui fait un état de l'art des besoins des essences pour différents critères, la chaleur, le froid, le sec, la compacité du sol, la piorosité, etc.
Donc c'est un état de l'art qui est forcément ce qu'on peut faire de mieux en état actuel. Et ensuite d'essayer de prédire ce qui va se passer en climat futur sur trois variables clés, donc l'excès de froid, le besoin de chaleur et le déficit hydrique. Ces trois variables clés de la physiologie de l'arbre, en fait, qui peuvent traduire un stress pour l'arbre quand on dépasse un certain seuil. Mais très concrètement sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut faire du coup avec cet outil ? Avec cet outil, bah, du coup, on peut dans l'espace se situer d'un point de vue déficit hydrique, par exemple, et se dire bah, là, en climat actuel, mon essence est à peu près adaptée, mais par contre, à 2050, 2070, le risque de mauvaise adaptation va être plus fort. Et par rapport à mon autre parcelle, c'est cette parcelle qui est la plus urgente à changer d'un point de vue soit de la sylviculture, donc de la manière de gérer la forêt, soit carrément changement d'essence. Et avant cet outil, avant Climessence, comment est-ce qu'on s'y prenait pour choisir les essences ? Avant Climessence, on avait une approche à climat constant qui était basée sur des typologies de stations forestières. Donc on se basait sur la géologie, la topographie, la végétation pour dire bah, à cet endroit, telle essence va être adaptée. Et si je choisis telle essence à tel endroit, je vais la gérer de telle manière. Donc éclaircir à tel moment, puis après... Alors éclaircir, ça veut dire enlever certains arbres. Le principe de la forêt en général, c'est la forêt se débrouille toute seule, mais si nous on veut du bois pour construire des meubles, des charpentes, etc., on veut un bois d'une certaine qualité. Et donc il faut qu'au début le bois pousse, l'arbre pousse avec beaucoup de concurrence pour qu'il pousse le plus haut possible sans branches. Puis après on va en enlever un petit à petit pour qu'il pousse après en circonférence, en diamètre. Voilà, pour qu'il devienne gros sans branches. Si je comprends bien, finalement, avant ces outils, c'était beaucoup sur l'expérience en fait. C'était basé beaucoup sur des expérimentations et des modèles déjà, mais qui considéraient que le climat était constant, ce qui a été le cas pendant un certain temps. Alors une autre précision, depuis le début de l'émission, on parle beaucoup d'essence d'arbre. Peut-être qu'on pourrait rappeler aussi ce que ça veut dire une essence d'arbre. Oui, bien sûr. Mais je peux citer par exemple, plutôt des exemples, le chêne pédonculé, le hêtre, l'épicéa commun, le sapin pectiné. Tout ça, ce sont des essences d'arbres qui vont avoir des exigences spécifiques. Par exemple, le sapin pectiné, l'épicéa vont être des essences de montagne, de climat froid, d'altitude. Les chênes vont plutôt être à l'aise en climat un peu plus sec, en plaine, sur des sols assez contraignants d'un point de vue hydrique aussi, qui vont subir des asphyxies, par exemple, dans le sol. Donc voilà, chaque essence va avoir des exigences. Et nous, c'est ce qui nous intéresse pour adapter notre choix aux conditions du terrain et non pas changer le terrain pour produire du bois. Là, c'est vraiment... Faire les choses dans le bon sens. C'est vraiment... La gestion durable se base vraiment sur cette adaptation au terrain et non pas l'inverse. Alors, pour construire cet outil Climessence, vous êtes basé sur plusieurs types de données. Lesquelles en particulier ? Du coup, on a utilisé les données des inventaires forestiers nationaux à l'échelle européenne, donc les données de l'inventaire forestier national français, mais aussi des autres pays, puisque par exemple, le pin d'Alep est présent dans le sud-est de la France, mais clairement, en Italie et en Espagne, il subit des conditions de sécheresse plus importantes que ce que nous, on peut avoir en France. Donc, il nous fallait caractériser vraiment la réponse de chaque essence de manière la plus large possible. Ensuite, on a utilisé des données de sol provenant du Centre européen des données pédologiques de sol. Sur le sol, c'est pour savoir la quantité d'eau qu'il y a dans le sol, les nutriments, les minéraux, etc. Alors non, c'est vraiment la capacité du sol à retenir l'eau et à la restituer à la végétation. Donc c'est un peu le pouvoir tampon du sol par rapport aux sécheresses ou la taille du verre d'eau, si on veut. Et cette donnée, elle dépend un peu de la texture. Est-ce que c'est plutôt argileux, plutôt limoneux, plutôt sableux, de la présence d'éléments grossiers, de cailloux dans le sol et surtout de la profondeur du sol. Ça va être vraiment le critère numéro un. Et ensuite, il nous fallait des données de climat. Et donc, on a pris des données de climat mondial du centre Chelsea, Suisse. Voilà, parce que c'était les plus adaptés. Donc, on a comparé forcément à la distribution des essences données par l'inventaire forestier national. Et c'était ces données climatiques-là qui nous donnaient les meilleurs résultats. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur la carte ici, hein, c'est la répartition finalement de l'épicéa. Donc ça, c'est les informations que vous avez pu récolter grâce à l'inventaire forestier pour ce qui est du territoire français. Français, exactement. Donc l'inventaire forestier national. Alors grâce à toutes ces données, après, il est possible de tester la compatibilité d'une essence
avec un sol et un climat donné. Et ça, on peut aussi le visualiser sur une carte. Oui, du coup, on peut visualiser la compatibilité d'un point de vue climatique sol et de chaque essence sur des cartes en climat présent et selon plusieurs scénarios en climat futur. Là, par exemple, ce qu'on voit à l'image, donc, c'est pour l'essence, l'épicéa commun. L'épicéa commun, donc par exemple... Oui. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous décrire ce qu'on voit, quelles sont les couleurs et puis les différentes... On voit qu'il y a quatre cartes. À quoi correspond chaque carte ? Donc, on a quatre cartes. La première en haut à gauche, c'est en climat actuel. Ouais. Alors, le climat actuel, hein, c'est du climat déjà passé, puisque forcément, c'est des données climatiques enregistrées, donc qui va jusqu'à 2013, hein, qui n'est pas du tout, qui n'intègre pas les dernières sécheresses. Il faut bien avoir ça en tête. Donc, en vert, on va avoir des zones compatibles d'un point de vue climatique et sol pour le stress hydrique, donc le fameux déficit hydrique. Pour l'essence qui est l'épicéa commun là, sur ces cartes-là. En jaune, on va être dans les zones où seulement 2,5% des épicéas à l'échelle européenne subissent des stress hydriques supérieurs à la valeur en jaune. Et en rouge, seulement 1% des épicéas communs européens subissent des stress hydriques supérieurs à cette valeur-là. Ensuite, les trois cartes en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche et en bas à droite vont être les trois scénarios futurs. Donc là, on a plusieurs scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, un scénario pessimiste et un scénario intermédiaire. Et surtout, plusieurs modèles, puisqu'une fois qu'on a les émissions de CO2, il faut transformer ces émissions de CO2 en climat, c'est-à-dire précipitation et demande évapotranspirative. Alors oui, ça on va préciser un petit peu. Avec cet outil, on peut du coup... se projeter dans le futur, finalement. Oui. Donc, on peut aller jusqu'où et qu'est-ce que ça apporte, finalement ? Alors, ici, vous avez les projections à 2050. Avec l'outil, on peut aller jusqu'en 2070. Les forestiers vont principalement regarder 2070, parce que quand on produit du bois, c'est au moins 100 ans. C'est sur au moins 100 ans. Et 2070, c'est même trop proche pour nous, pour prendre une décision parfaitement éclairée. Mais ça nous donne déjà une idée du risque de maintenir une essence qui n'est plus adaptée. Donc typiquement l'épicéa, on l'a vu avec les dernières sécheresses, du coup ça a été des milliers d'hectares qui ont subi la crise scolyte à cause de ces sécheresses. Et du coup, ça nous permet un peu... Donc, c'est vraiment qu'une analyse de risque, puisqu'on ne sait pas quel est le scénario qui va se produire. On ne le saura jamais. Enfin, si, quand on y sera, en 2070. Mais du coup, ça nous permet, nous, de prioriser l'action, puisqu'on ne pourra pas changer les essences sur toute la France en une seule fois. Donc, il y a trois scénarios, hein, si je récapitule. Donc, on peut observer la compatibilité d'une essence avec le sol et le climat actuellement, en 2050, en 2070, et ça pour trois scénarios différents. Ces trois scénarios, c'est quoi le pire, le meilleur Alors, du coup, et un entre deux ? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On va avoir le pire, le pire scénario d'émission de CO2 avec le pire modèle qui transforme ces émissions de CO2 en climat. Le scénario optimiste, hein, donc un scénario où les émissions de CO2 diminuent effectivement dans les années à venir, et des modèles assez optimistes, et après un scénario intermédiaire pour vraiment avoir toute la gamme des possibles, même si cette gamme des possibles, on le sait, c'est quand même incertain. C'est pas parce que ça donne quand même une indication. Voilà, ça donne une indication. Des orientations pour... voilà. Mais clairement, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Ouais. Voilà, donc on prend un panel le plus large possible pour essayer de prendre le moins de risques possible. Mais on sait que le risque zéro n'existe pas. Mais j'imagine une autre solution, c'est aussi de la complémentarité entre les essences. Il y en a peut-être de planter plusieurs essences au même endroit pour, si jamais il y en a une qui ne tient pas le coup, j'ai envie de dire, l'autre peut prendre le relais. Exactement, et des résultats de recherche nous montrent que ça marche assez bien. Par exemple, entre le pin sylvestre et le chêne sessile ou le chêne pédonculé, où effectivement, lors d'une grosse sécheresse, le pin sylvestre va du coup mourir et laisser la place au chêne. Donc ça, c'est une très bonne technique. Le mélange n'est pas forcément facile à gérer pied à pied, enfin avec des arbres mélangés côte à côte. Du coup, on teste aussi d'autres mélanges par bouquet, par parcelle, des îlots d'avenir. On est dans l'expérimentation.
c'est quoi en le gestion. Niveau d'avenir ? C'est ça, c'est ce qu'on a. C'est de planter une petite surface avec une essence qui n'est pas autorisée actuellement pour vraiment la tester. Par exemple, planter du cyprès de l'Arizona en Meuse pour la tester et voir si vraiment c'est pas la solution du futur. Pour l'instant, ce n'est pas autorisé, donc il faut vraiment expérimenter avant d'autoriser ce genre de plantation. Et on le fait sur des petites surfaces en contrôlant un peu tous les paramètres environnementaux, puisque bon, produire du bois, c'est bien, mais il faut aussi avoir en tête tous les autres aspects de la gestion durable. Bon, en tout cas, la monoculture, c'est clairement pas la solution. Hein. Non, ça, les plantations d'épicéa du Fonds forestier national nous l'ont clairement montré, puisque la crise colite a surtout attaqué ces milliers d'hectares plantés d'un seul tenant en épicéa. Très bien. Alors, on a vu le cas de l'épicéa qui subit toutes les attaques liées au changement climatique. Est-ce qu'il y a d'autres essences en France qui sont en difficulté ? Actuellement, oui, quasiment toutes. On a des dépérissements aussi pour les chênes, le hêtre. Alors, du coup, qui vont... Là aussi, c'est attribuable au changement climatique ? Exactement, oui. Il y a d'autres essences qui dépérissent, comme le frêne, et là, c'est un pathogène. Donc là, c'est pas clairement attribuable au changement climatique, mais les chênes, le hêtre, les sapins et autres, c'est clairement attribuable au changement climatique. Ça couvre des surfaces moindres que l'épicéa, c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler d'épicéa, mais pour certains collègues, ça peut être quand même impactant quand on voit toutes ces parcelles dépérir d'un coup. C'est déjà un choc, et puis ensuite, il faut arriver à replanter toutes ces parcelles d'un seul tenant. François, ce travail de Noémie avec les données de l'inventaire forestier, ça vous est utile aussi pour améliorer votre travail ? Alors oui, effectivement, il y a plusieurs choses. Ça permet de valoriser nos données et du coup de montrer qu'on peut faire encore plus que juste produire une information ponctuelle comme on le fait nous. Et puis à l'inverse, le travail de Noémie, alors c'est une autre part qu'elle n'a pas forcément noté, mais lui permet aussi de nous proposer des nouveaux indicateurs construits à partir de données et qu'on peut déployer après dans notre inventaire pour fournir une information nouvelle, notamment des indicateurs de sensibilité des sols à l'export de matière. On sait que les sols sont plus ou moins riches, mais évidemment, si on exporte tout ou partie du bois, on exporte aussi avec une partie des minéraux. Et selon les types de sols, il y a des sensibilités qui autorisent ou pas ce genre de travaux. Et on a des indices qui ont été construits par Noémie et qu'on a intégrés à l'inventaire et qui nous permettent maintenant de ventiler la ressource par ces niveaux de risque et d'indices, par exemple. Très bien. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une nécessité à mieux former les forestiers aux impacts du changement climatique ? Complètement. Et c'est un des grands atouts de l'outil Climessence, c'est qu'il a été déployé au sein de la forêt privée et de la forêt publique. C'est vraiment un outil multi-organisme. Il y a eu donc des formations à distance qui ont permis de sensibiliser énormément les collègues et de leur apporter aussi des arguments pour, par exemple, aller voir le propriétaire, que ce soit la commune, l'État ou un propriétaire privé, lui expliquer ce qui est en cours d'un point de vue des changements climatiques et de l'impact que ça peut avoir sur ces forêts pour commencer à préparer l'action. Puisque quand on a un dépérissement, c'est un peu trop tard et il vaut mieux prévenir que guérir, c'est très difficile. Vous y participez, vous, à la formation des forestiers ? Oui, alors moi, je participe sur les aspects sols, puisque du coup, on a parlé du pouvoir tampon des sols, de la sensibilité aussi à ces exports de matière, au tassement. Préserver les sols, c'est préserver le capital, donc préserver le futur. Donc, c'est essentiel que tous les acteurs soient sensibilisés à cette gestion durable des sols. Donc, on a un programme qui a été financé par l'ADEME et qui est pareil, multi-organisme, qui s'appelle IPR Sol, avec des vidéos en ligne pour former massivement le plus de personnes possible. Très bien. Bon, merci, merci Noémie. Maintenant, on va s'intéresser un peu moins aux arbres et un peu plus à vous. On va découvrir votre quotidien et votre parcours à tous les deux. C'est l'heure du 24 heures chrono. Mais d'abord, on retourne voir le public. On est nombreux et nombreuses à être allés en forêt pour se balader, cueillir des champignons ou simplement prendre un grand bol d'air. On a donc demandé aux passants de nous parler de leur rapport à la forêt. Écoutez ce qu'ils nous ont dit. Mon rapport à la forêt, je sais pas. J'aime bien y randonner, y trekker, y dormir. Voilà. Moi, j'aime bien la forêt. J'y allais souvent. Je trouve que c'est très ressourçant. Ça me manque beaucoup, et enfin, j'y vais souvent au mi-saison, et quand j'y vais pas, ça me manque beaucoup.
Non, pas forcément. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de s'y intéresser, d'intéresser ses enfants, ses petits-enfants. Et je pense que tout le monde peut y travailler. Moi, personnellement, oui, ça me plairait bien. Je pense qu'il faut être passionné, un peu passionné d'écologie, de la nature en général. Passionné par la vie en général, dans le sens aussi on travaille bien pour les forêts, on travaille aussi pour nous-mêmes. Donc bon, après être passionné des forêts, de la nature, ça peut être bien. Bah, je pense qu'il faut prendre conscience aussi que sans la protection de la nature, nous perdrons notre vie à nous aussi. Donc bon, voilà. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont nés en ville, que ça peut intéresser aussi, qui peuvent très bien avoir envie de travailler dans la forêt. Non, il n'y a pas forcément besoin. Évidemment, quand vous êtes propriétaire, c'est très compliqué parce qu'il faut, ça coûte cher d'acheter une forêt et de la gérer après. Mais travailler dedans sans être propriétaire, je pense que des jeunes non, de la ville ou de la banlieue qui n'ont pas forcément cette tradition peuvent très bien s'intéresser. Non, pour moi, ce n'est pas forcément lié. Ça aurait pu être mon métier, mais j'ai échoué. Pour ça. J'ai loupé les concours d'agro. J'aime la nature, dans le sens où bon, j'habite hors de la région parisienne, je ne suis pas très loin de la campagne. C'était pour pouvoir respirer un peu. Maintenant, je ne suis pas du tout jardinier, donc je ne m'y connais pas du tout. Ma femme est meilleure que moi, donc je compte sur elle pour m'aider à avoir un rapport à la nature beaucoup plus important. Voilà. Bon alors, je vous vois rire. Qu'est-ce que vous en pensez de ce rapport à la forêt? Est-ce qu'il faut être forcément passionné pour travailler dans ce domaine, Noémie? Oui, enfin, à l'ONF, on est beaucoup, beaucoup de passionnés, quasiment exclusivement. Après, je pense que ce n'est pas exclusivement réservé aux passionnés, mais ouais. Forcément, être forestier, c'est être dans la nature quand même beaucoup, souvent, dans des conditions météo pas toujours clémentes. Du coup, la passion aide quand même aussi ouais. Dans le quotidien. Mmh. François, vous en pensez quoi, vous ? Complètement. Moi, je pense qu'effectivement, les forestiers, globalement, c'est plutôt un milieu avec des gens passionnés. On arrive rarement par hasard dans ces métiers-là. Donc, c'est pas pour rien. Et puis, il y a aussi cette dimension long terme qui est absente de beaucoup de métiers. Quand on travaille en tant que forestier, on ne travaille pas pour nous, on travaille pour 2, 3, 4 générations après. Et les forestiers actuels, ils récoltent les fruits de générations qui ont travaillé il y a 100, 150, voire 300 ans. Donc on s'inscrit dans un temps qui est aussi différent et qui, à mon avis, surtout actuellement avec tout ce qu'on a discuté sur les changements climatiques, a du sens. Alors on peut se demander quel est le parcours à effectuer pour travailler à l'inventaire forestier national. François, ce n'était pas forcément une évidence dès le départ puisque vous avez commencé par des études de mathématiques et de physique, si je ne dis pas de bêtises. Après, par contre, vous avez basculé sur des études de biologie, vous avez fait une classe préparatoire et c'est là que vous avez découvert l'École nationale du génie rural des eaux et des forêts à Nancy. En plus de ça, vous avez suivi une formation en écologie avec une thèse sur les forêts tropicales en Guyane. Puis vous avez rejoint l'inventaire forestier national. À quel moment vous avez su que vous vouliez étudier la forêt ? Ah, ça a pris un petit peu de temps dans mon cas, le temps que je découvre que c'était possible. En fait, j'ai mis du temps à découvrir qu'il y avait des formations qui y menaient. On a vu une intervention là, dans votre micro-trottoir de quelqu'un qui a fait ses concours. Ben, on est passé par là, mais on a eu plus de chance que lui. En tout cas, c'était mon cas. Et il m'a fallu un peu de temps. C'est pour ça que j'ai commencé par effectivement la physique et les maths, parce que c'était des matières et des choses qui m'intéressaient. Mais par contre, les métiers après ne me parlaient pas du tout. Et donc, c'est justement pour avoir des métiers qui avaient du sens pour moi, que j'ai basculé sur la biologie et notamment sur l'école forestière. Et vous, Noémie, vous avez aussi fait une classe préparatoire en biologie. Vous êtes aussi entrée à l'École nationale du génie rural des eaux et des forêts. Et ensuite, vous avez fait une thèse sur le tassement des sols forestiers. Aujourd'hui, vous vous situez un peu à l'interface entre le monde de la recherche et celui des gestionnaires forestiers. C'est quoi les défis de cette position particulière ? Alors, il y en a beaucoup, puisqu'il faut arriver à comprendre un peu les deux mondes et arriver à les faire communiquer. Et ces deux mondes qui sont, qui n'ont pas du tout le même quotidien. On est dans le milieu de la recherche, la notion du temps n'est pas du tout la même qu'en gestion courante, où il va y avoir plein d'urgences à gérer. Et en même temps, les gestionnaires ont besoin de connaissances pour avancer et ne pas se tromper, puisque effectivement, comme François l'a rappelé, le forestier raisonne à long terme. Et pour raisonner à long terme, si on n'est pas assis sur un socle de connaissances assez solide, c'est quand même compliqué. Donc voilà, il faut arriver à comprendre les deux mondes, les faire communiquer. Et ça, c'est un challenge de chaque jour. Mais c'est ça qui est passionnant aussi. Dans votre travail, Noémie, vous êtes à la fois sur le terrain, mais aussi vous faites de l'analyse de données.
Vous faites les projets de A à Z, c'est ça qui vous plaît ? C'est ça qui me plaît le plus, effectivement, d'aller sur le terrain, rencontrer les gestionnaires, essayer de comprendre leurs questions, les traduire en questions de recherche, collecter la donnée, puis après l'analyser et valoriser cette donnée-là, ensuite ces analyses-là en formation, en support divers et variés, articles, rapports, etc. Ça fait vraiment participer à l'ensemble de la chaîne et c'est passionnant. Chaque jour est différent. Et vous, François, vous allez un peu moins sur le terrain, mais même en étant au bureau, pardon, vous travaillez avec des chercheurs à l'international, à l'échelle européenne, mais pas seulement. Est-ce que conseiller technique de l'inventaire forestier, c'est aussi parfois un métier politique ? Alors, un petit peu, oui, effectivement. Je suis passé un peu par le terrain, mais j'en suis ressorti. L'aspect politique, c'est moins directement politique, mais c'est dans le conseil aux politiques et l'appui aux politiques publiques. En fait, on est vraiment là pour observer ce qui se passe, le décrire, voir, dans le cadre avec le lien avec Climescence, essayer de projeter après dans des avenirs possibles. Et ça, c'est des supports essentiels pour imaginer des politiques à l'échelle nationale et aussi à l'échelle européenne. D'où le fait qu'on travaille, parce que vous l'avez vu avec Noémie, on a besoin de données sur l'ensemble, sur des échelles plus vastes que le territoire français. Et les problèmes de dépérissement et de changement climatique ne s'arrêtent pas aux frontières. Donc en fait, les problématiques qu'on a et les outils qu'on a développés sont relativement proches entre les pays, au moins à l'échelle européenne. Et je vous pose cette question à tous les deux. En quelques mots, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier, par exemple, Noémie ? C'est que chaque jour, j'apprends de nouvelles choses. Je crois que je pourrais dire la même chose à peu près. Et ce qui me plaît aussi absolument, c'est d'essayer de porter cet inventaire vers un futur et de le rendre capable de répondre à des questions que la plupart des gens n'imaginent même pas encore. Donc, essayer d'anticiper tout ça. Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer peut-être aux jeunes qui nous regardent et qui voudraient se lancer dans ces domaines-là, François, par exemple ? Faites-le. Non, mais faites-le. Faites-le parce que il y a énormément de métiers chez les forestiers, depuis des métiers vraiment liés au terrain. Le mien est très particulier. C'est finalement assez vaste. Et c'est souvent des métiers effectivement passionnants. On est au contact de la nature. C'est 30% du territoire, mais c'est des enjeux majeurs par rapport à l'avenir. Et on a vraiment besoin de forces vives et de cerveaux frais parce qu'on vous en a parlé avec les scénarios climatiques et toutes les incertitudes qu'on peut avoir sur l'avenir. Donc il va falloir essayer d'imaginer ce qu'on peut faire pour l'avenir et ça demande du monde et des bonnes volontés. Noémie ? Oui, puis je vais juste rajouter, en fait, c'est un des rares métiers où on cherche à comprendre le vivant pour s'adapter et non pas imposer une fertilisation, une irrigation, etc. Nous, on cherche vraiment à comprendre comment fonctionne l'écosystème pour l'accompagner et non pas le modifier. Et ça, c'est passionnant, puisque du coup, chaque jour, on apprend plus. Même un forestier de terrain va apprendre énormément de choses au contact du milieu dans lequel il travaille. Donc, moi, j'aurais quand même apporté une petite précision. En préparant cette émission, en rigolant, vous nous avez dit qu'il fallait vous appeler capitaine docteur Noémie Pousse. Capitaine, pourquoi ? C'est comme ça qu'on appelle les personnes qui travaillent à l'ONF, si c'est Non, c'est que en fait les eaux et forêts étaient un corps de l'armée. Et du coup, on a encore les grades de l'armée. Voilà. Et donc mon statut d'ingénieur me confère le grade de capitaine. Alors ici, on a l'habitude de raconter les anecdotes de nos invités sur ce plateau. Noémie, être pédologue, c'est parfois donner de sa personne sur le terrain et ça peut être une activité salissante. Est-ce que vous avez une histoire à partager par rapport à ça, par hasard ? Alors j'en ai plein, mais il y en a une en particulier où il fallait que je décrive une fosse. Donc une fosse, c'est un trou creusé pour observer le sol. Et il s'avère qu'il y avait une couche d'argile un peu imperméable, donc avec de l'eau qui stagnait dans la fosse. On n'arrivait pas à vider la fosse, donc il a fallu y aller quand même, descendre dans la fosse. Avec, du coup, j'ai été une bouée de secours pour les bousiers qui étaient tombés dans le piège de la fosse remplie d'eau et qui n'arrivaient plus à sortir, donc ils m'escaladaient pour sortir de la fosse. Et après, moi, il a fallu que je sorte de la fosse. Et alors là, c'est très technique. Il faut bouger légèrement le pied d'avant vers l'arrière pour arriver à s'extraire de l'argile. Donc ça fait comme ça. Et une fois qu'on a sorti un pied, il faut surtout pas le remettre parce que sinon, en fait, il est à nouveau prisonnier. Donc, il faut arriver à sortir un pied, puis l'autre, et puis progressivement sortir de la fosse. Donc, des fois, ça prend très longtemps. Et ensuite arrive l'épreuve de l'hôtel. Et là, c'est...
très compliqué de se faire accepter. Heureusement, là, du coup, le logo peut aider. Ça aide à comprendre. Et vous, François, c'est plutôt une rencontre marquante que vous vouliez partager avec un professeur de statistiques en école forestière. Oui, pour le coup, c'est pas une anecdote, mais c'est une rencontre qui était vraiment importante pour moi et déterminante. Donc ce professeur, je l'ai eu en école forestière, c'était mon prof de statistiques, et puis il a fait partie de mon comité de thèse, et il m'a recruté à la fin de ma thèse pour me faire venir à l'inventaire, dont il était devenu le directeur technique. Et c'était un moment où l'inventaire a vraiment changé du tout au tout ses méthodes, notamment statistiques et toute son approche. Et donc j'ai participé avec lui à la mise en place de cet outil qui est absolument magnifique, qui s'appelle l'inventaire forestier national et qu'on continue de porter. Et on continue de le porter maintenant après son décès, parce que malheureusement il nous a quittés un peu prématurément il y a quelques années. Donc j'ai toujours une pensée émue pour Jean-Christophe, parce que sans lui, c'est sûr que ma vie et notamment ma carrière professionnelle auraient absolument été différentes. Très bien. Alors maintenant, on en sait un peu plus sur vous et c'est pas fini. Place au coup de cœur de nos invités. Alors Marine, j'imagine que nos invités sont des grands amateurs de balades en forêt. Et oui, Noémie, votre hobby est en lien avec votre métier. Non seulement vous étudiez la forêt, mais vous y courez aussi. Vous faites du trail depuis des années. Est-ce qu'il y a un exploit, une victoire dont vous aimeriez nous faire part? Ben justement, cette photo, c'était la course des volcans et j'ai gagné un 5 hectares complet que j'ai pu partager avec mes collègues forestiers qui étaient nombreux à courir ce jour-là. C'est un beau prix. Un beau prix. Et vous, François, vous êtes aussi sportif, puisque vous êtes un cavalier, vous avez même votre propre cheval. Est-ce que l'amour de l'équitation, ça vous est venu comment exactement? Eh ben, ça m'est venu justement par des premiers cours quand j'habitais dans la Nièvre avec mes parents, juste à côté des forêts domaniales. Et les premiers cours, ils étaient essentiellement à se balader en forêt. Et donc, il y a eu un lien assez direct entre le cheval et la forêt. Donc, ça a commencé là. Puis depuis, effectivement, j'ai pas arrêté. J'ai même un petit peu accéléré les choses jusqu'à acheter un cheval. Et donc, la forêt vous a donné envie de faire de l'équitation. Est-ce que l'équitation, en retour, les longues balades en forêt, ont contribué à votre envie de travailler sur les forêts? Oui, je pense. Je pense que ce lien, il se crée à ce moment-là. Il se crée aussi à l'enfance avec les balades qu'on fait, les cueillettes de champignons. Pour le coup, je suis d'une famille de cueilleurs de champignons, donc c'était un lien très fort. Et puis oui, le lien avec le cheval, le plaisir qu'on peut avoir incroyable à aller galoper en forêt. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous le conseille. Très bien. On note le conseil. Bon, c'est déjà la fin de l'émission. Merci à tous les deux. Merci Noémie. Merci François de nous avoir partagé votre métier. Merci pour cette balade en forêt. Merci à vous d'avoir regardé cette émission de Science en question. On vous dit à très vite. Ciao les sorciers.